question. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. That many people say there's no answer. À laquelle on n'y trouve aucune réponse. And the question is, what is the meaning of life? Bien sûr, meaning. Bonne question. Comment est-ce qu'on traduirait meaning? Le sens de la vie. Le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? The meaning of life. Hein? Le sens de la vie. I was a kid, I watched a movie by Monty Python. It was a really cool one. Et quand il était jeune, il y avait un film d'un artiste qui s'appelle Monty Python. So, but they didn't answer the question. Mais ils n'ont pas répondu à la question. But it was a funny movie. C'était un film très drôle, par contre. So, but today, I hope I'll be able to answer this question. Donc aujourd'hui, j'essaie de répondre et pouvoir répondre à cette question. First thing, let's go to the dictionary. Premièrement, on va aller au dictionnaire. So, what does it mean the word meaning? Et que veut dire le mot sens? So it's a noun. Donc c'est un nom. An adjective. No. Okay. The dictionary says what is intended to be or actually is expressed or indicated. Signification. Import the three meanings of a word. Donc c'est qui devrait être l'intention d'être dit ou actuellement est ou exprimé ou est indiqué la signification n'importe les trois. Le dictionnaire. C'est ça. J'essaie de comprendre le dictionnaire. And the number two, it's the purpose or significance of something. Donc ou le sens ou la signification de quelque chose. And then the dictionary adds this: what is the meaning of life? Et le dictionnaire même ajoute quel est le sens de la vie. So even the dictionary has a definition with this sentence: the meaning of life. Et même le dictionnaire a une réponse à cette question. Because people sometimes question this. Et parce que vraiment, on questionne constamment. Many times in funerals, surtout dans les funérailles. Or when people are confused. Quand le monde se trouve dans un état de confusion. Now, let's think about kids. Parlons des enfants. We know that kids are in the next room. Donc, the room les enfants se trouvent dans la chambre à côté. But there's a point in life where when you ask this question, what do you want to be when you grow up? Et il y a un point dans notre vie qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand? Do you remember that question? Est-ce que vous rappelez de cette question dans votre vie? I don't know what you wanted to be. Je sais pas qu'est-ce que vous vouliez être. First, I know I want to be a cowboy. Il voulait être un cowboy. So I'm close, but I'm not there yet. Je suis pas encore arrivé à ça. I'll be in Edmonton in next month. Le mois prochain, il va se trouver à Edmonton. À ce moment-là, il va être cowboy. But then I realized, no, that's not a good thing, cowboy. J'ai réalisé aussi que c'est pas une affaire trop bonne. So people will say, cowboy, that's not a good thing. You know, you should think about doctor. Engineer. Ouais, on me disait que cowboy c'était pas tout à fait bon. Il faut que tu penses à être plutôt un docteur ou un ingénieur. Lawyer. Un avocat. But then I got another one. I wanna go on a spaceship. Après ça, j'ai cru bon aller peut-être dans une navette spatiale. I wanna be an astronaut. Je voulais être un astronaute. And then they told me, you know, that's very, very hard, you know. On m'a dit que c'est très, très, très difficile. There's billions of people and only just a few are chosen. Et il y a des milliards de personnes et seulement quelques-uns sont choisis. But I decided, I'm going to try to be one of those. Mais j'ai dit, je vais essayer d'en être un. So, you know, during my youth, I did some drugs and then I had an interruption on drugs. Ouais, donc dans ma jeunesse, j'ai fait une période où j'ai essayé des drogues et après ça, il y a une interruption. Because I realized, in order to be an astronaut, I need to be a jet fighter pilot. Donc pour être un astronaute, il faut que je sois un pilote d'avion. So I started to prepare myself to become one. Donc j'ai commencé à me préparer en fonction d'être un pilote. Because I have an uncle who was a car in the army, a general actually. Et j'ai un oncle en plus qui était général dans les forces. So I follow all the steps to become a jet pilot. Donc j'ai suivi toutes les étapes pour devenir un pilote. But then something happened where I was leaving, they decided to cut the army. Mais quand ils ont décidé de couper le programme. Because they have a million soldiers and they decided, my country, they decided to slim down to 100,000 or 200,000. Parce qu'à l'époque il y avait au-delà d'un million de soldats, ils ont décidé de raccourcir, de couper le budget de l'armée. So they said, oh no, you can go just fly helicopters. Ça fait que le seul choix que t'as, c'est de pouvoir voler un hélicoptère. So my dreams were shattered. Donc mes rêves se sont effondrés. Because I had it all figured out. I'm going to be a jet pilot. Parce que tout était planifié. Je vais être un pilote de chasseur d'avion. If something fails, I'll fly commercial. Et si tout va mal, ben écoutez, j'ai toujours le choix de voler des avions commerciaux. But my dream was flying.
Mais moi, mon rêve, c'était de voler. So I started to do fly gliders, you know, gliders. Donc j'ai commencé à faire des deltaplanes. And I became addicted. I had to fly, you know, every day I had to fly. Et donc je suis devenu dépendant de ça. Tous les jours, je devais voler dans les airs. And the small Cessna airplanes. Les Cessna aussi. But then when my dreams were shattered. Donc quand mes rêves ont été effondrés, I stopped flying. J'ai arrêté de voler. And I said, no, I need to do something else. Et j'ai besoin de faire quelque chose d'autre. So I'm just sharing my testimony. Donc je vous partage un peu mon témoignage. Pour voir où est-ce que je m'en vais avec. And because now my dream was broken. Maintenant que mes rêves étaient brisés. I had nothing else to dream. J'avais plus de rêves vraiment. So that's when I went deeper and deeper into drugs and to, you know, a wild lifestyle. Et c'est à ce moment-là que je me suis rentré de plus en plus profondément dans le milieu des drogues. So it's very important when we talk about meaning. Donc c'est très important qu'on parle du sens. That sometimes we have dreams. Que des fois on a des rêves. We have expectations. On a des attentes. And those dreams are not achieved. Et on n'y arrive pas à atteindre ces objectifs ou ces rêves. Well, this is a boy's dream. If you ask to a girl, ben bien sûr, on parle d'un rêve d'un jeune garçon, mais si on demande à une jeune fille, she wants to be a princess. Elle veut être une princesse. She wants, some unfortunately they're limited to think I want to get married and have lots of kids. Et certaines ont une pensée un peu limitée qui veulent juste se marier et avoir plusieurs enfants. And then they think, well, maybe not a lot of kids, maybe two kids. Ben après, peut-être ça te dit, c'est pas plusieurs enfants, mais seulement deux enfants. But I want a man that treats me like a princess. Mais je veux épouser un homme qui va me traiter comme une princesse. And then if you live in Quebec, where only one third of the couples that live together get married. Dans une population où seulement un tiers du monde vit en couple ensemble. And from that third that gets married, et de ce tiers qui se marie, about 85% divorce. 85% se divorce. So in the condition of our families. Donc dans les conditions de nos familles au Québec. Girls or women, they have their dreams shattered many times. Donc ce rêve de d'épouser une époux idéale est brisé. So there's a season in life. Donc il y a une saison dans la vie. If we think we don't have anything else to dream. Où on pense qu'on n'a rien d'autre à rêver. We need just to think about this issue. What is the meaning of my life? Donc nous devons penser à ceci, se poser la question, quel est le sens de la vie? So for certain people, then the dream is broken. There's a divorce. Donc pour certaines personnes, le rêve est brisé, il y a un divorce. For other people, you know, they go into a wild lifestyle like drugs. Pour d'autres, ça va dans un style de vie un peu plus violent. They start to snort cocaine and all sorts of things. For other people, they get addicted to something else. Et pour certains d'autres, ils deviennent dépendants de d'autres choses. They get addicted to religion. Ils deviennent dépendants de la religion. And there's a lot of people in churches. Et il y a plusieurs personnes dans les églises. That are religious addicts. Et qui sont dépendants des accros de la religion. You know, they convince themselves of a lie. Et ils se convaincent eux-mêmes d'un mensonge. And they think they're so important. Ils se croient si importants. It's like those people, they say, if I leave this church, ils se disent, si je quitte cette église, they're going to close their doors. Ils vont fermer leurs portes. Because I'm so important. Parce que je suis si important. You know, if I'm not here, si je suis pas ici, you know, what's going to happen? Qu'est-ce qui va arriver? The whole world is going to fall. Toute la planète va s'effondrer. And then they have these ideas of these religious ideas. Et après ils arrivent avec ces idées religieuses. And they are right and everybody else is wrong. Ou ils ont toujours raison et tout le monde a tort. That's the religious world. Donc la pensée religieuse. It's terrible. C'est terrible. I hate the religion. Je déteste la religion. I mean, don't like it. Je l'aime vraiment pas. But I remember being, you know, this is a fireplace. Donc ça c'est un foyer. There's people around it. On les voit pas, mais il y a du monde dans le foyer. Dark picture. Donc c'est une image un peu sombre. Come here, Louise. Oui, see here. And there's something around. Il y a des voitures à l'entour. Yeah, there's pickup trucks. Il y a des pick-up et il y a du monde autour d'un foyer. There's a group of people there. Il y a du monde. It's late. Et c'est très tard. They're en train de bailler. And then one person says,
You know, I wonder what is the meaning of life. Et quelqu'un de la vie dit, ben, je me pose la question, quel est le sens de la vie? Why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? And this is a very personal question. C'est vraiment une question très personnelle. First, we saw meaning. Ah, premièrement, on a parlé du mot sens. Let's talk about life now. Parlons de vie maintenant. What is life? Qu'est-ce que la vie? Many times, you know, we'll get to a wrong conclusion. Souvent, on va sauter à nos propres conclusions. La mauvaise conclusion. Because we take the wrong road. Parce que nous prenons le mauvais chemin. Did it ever happen to you? You take a wrong road. Ah, oui. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, on se trompe hein, dans le chemin, on prend la mauvaise route. And then half an hour later, et une demi-heure plus tard, you realize you're closer to Quebec instead of Montreal. On est plus près de Québec que de Montréal. I don't know if it ever happened to you. Now, c'est déjà arrivé? Certain people, you know, they have no direction in life. Certaines personnes n'ont aucune direction dans leur vie. Because they don't understand that being alive is a gift. Parce qu'ils ne comprennent pas que d'être vivant est un cadeau. So, just tell it out loud. Being alive is a gift. Être vivant est un cadeau. That's good, but now tell to someone. Maintenant, dites-le à quelqu'un. Being alive is a gift. Yeah, very good. Être vivant est un cadeau. Now, who gave you that gift? Qui vous a donné ce cadeau? Well, we're here in a kind of church environment. You say, Jesus, God. Ben, on est dans un milieu un peu d'église. Bien sûr, on va dire Jésus. Let's think about it. Mais est-ce qu'on peut y penser? Well, you might think, well, it was God. Alors on peut me dire, ah ben, c'est Dieu. That's good. C'est bon. But without your parents, you won't be here. Mais sans vos parents, vous ne serez pas ici. Either you know them or they're not. Ou tu les connais ou tu les connais pas. So parents are very important. Donc les parents sont très importants. And your parents are in the origin of your life. Donc vos parents sont responsables de votre origine. Now, this is really, really important. Donc, ceci est très important. So, your parents are in the origin of your life. Donc, vos parents sont responsables de votre origine. Either you like your family or you hate your family. Ou vous aimez votre famille, vous la détestez. But they're your parents. Mais c'est vos parents. Now, God maintenant, is the giver of life. Maintenant, Dieu est le donneur de la vie. Okay? So we have these two elements. Il y a deux éléments ici. So one, it's a physical element, which is your parents. On a un élément physique, on parle de vos parents. And now we have a philosophical idea. Et on a une idée philosophique. Which is a higher power. Une puissance plus forte. Something else. Something beyond your parents. Quelque chose au-delà de vos parents. Now your parents are not the origin of life. Donc vos parents ne sont pas l'origine. But then people go to school. Mais là, le monde va à l'école. And in school you will learn that life happens. Et à l'école on apprend que la vie arrive simplement. So it's a matter of chemistry. Donc c'est une question de chimie. And you know, and it happens. Et ça arrive. So it wasn't planned. Ça n'a pas été planifié. So you had an amoeba and you have some microbes and vous avez des amèbes, des microbes. And there was some evolution. Une évolution. And so a lot of people today they just believe that the origin of life. Plusieurs pensent maintenant que l'origine de la vie. It's something that you can explain through science. Et quelque chose qu'on peut expliquer à travers la science. Well, we can argue about it, but we're not going to argue. On peut se débattre. On peut débattre, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. People that have a religious background, et ceux qui ont un arrière-plan religieux, they have this idea of intelligent design or God. Donc ils ont cette idée, un concept de design intelligent ou Dieu. And now we have a lot. They are halfway. Ah, il y en a plusieurs qui sont à mi-chemin maintenant. So they now there's something that was introduced in our society. Maintenant il y a quelque chose qui est introduit dans notre société. It's something from pagan people. Donc c'est une pensée de la païenne. Which is the concept of Mother Earth. Le concept de la mère nature. Mère nature. Mother Earth. Mère nature. Mother Earth. La terre. Oh, mère. Mother Earth. Mère. And on the news you hear about it. You know, Mother Earth did this. Yeah, on entend dans les nouvelles, Mère Nature a fait ceci. Well, not my mother. Mais c'est pas la mienne. It's Mother Earth. C'est Mère Nature. But this is a concept that there is something. Mais c'est un concept qu'il y a quelque chose. It's a collective. C'est un collectif. It's the planet. C'est une planète. And so people deify the planet. Donc, ils déifient la planète. So, and this is very important to understand what life is. Donc, il faut comprendre ce que la vie est. Because if the meaning of life is the purpose of life. Parce que si le sens de la vie
est notre objectif de la vie. And if you don't have the, an idea of who God is, et si tu n'as aucune idée de qui est Dieu, you'll be lost. Tu vas être perdu. And it doesn't matter if you're rich, peu importe si tu es riche, if you're really intelligent, ou très intelligent. You know, the smartest man alive recently probably was Albert Einstein. Et peut-être un des hommes les plus intelligents de l'histoire était Albert Einstein. And he believed in God. Et lui, il croyait en Dieu. In fact, there's so many quotes about God in his writings. Et il y a tellement même de citations provenant d'Albert Einstein sur sa croyance et sa foi. It's unbelievable because the more he researched, the more he realized there is a pattern which shows. There's an intelligent design. Et ce qui est incroyable, c'est que le plus qu'il étudiait, le plus qu'il découvrait qu'il y avait un modèle, il y avait une intelligence derrière le monde. Now, for some people, it's a matter of an alien race came here and they colonized Earth. Et pour d'autres, ils croient que c'est une vie extraterrestre qui s'est établie ici sur la Terre. It's another argument. Non, c'est d'autres arguments. But it's another way of seeing the origin of life. Donc, c'est une façon de voir l'origine de la vie. I like this one better than Mother Earth. Et j'aime bien mieux celle-là que Mère Terre ou la Mère Nature. It makes a little bit more sense. Ça fait plus de sens. You know, maybe that happened. The universe is so big. Peut-être que c'est arrivé. L'univers est si grand. But it doesn't matter really if what the specifics of what you believe. Ça importe peu les spécificités de ce que tu crois. Because as you approach this idea of God, parce qu'au fur et à mesure que tu approches cette idée de Dieu, God will reveal Himself to you. Dieu va se révéler à toi. He will reveal Himself to you. Il va se révéler. And this is nothing to do with religion. Et ça n'a rien à voir avec religion. Now, so we have life. Nous avons vie. We have our life. Notre vie. And our life as a beginning. Notre vie est le début. And we'll have an end. Et ceci aura une fin. Now, what I really like about the gospel. Et maintenant, ce que j'aime bien de l'évangile. Is that Jesus Christ introduced a concept? C'est que Jésus-Christ a introduit un concept. Now the concept was already there. Le concept était déjà là. But he clarified the concept. Mais il a clarifié ce concept. And it's the concept of eternal life. Et c'est le concept de vie éternelle. Now, let's read the scripture in John 17. Si on peut lire un passage des Écritures dans Jean 17. And he said, when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Et Jean 17 nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Let's try to dissect this. Est-ce qu'on peut dissecter ce passage? All right. So, Jesus is doing a prayer. Donc, Jésus est en train de faire une prière. No, he's a very well-known man by now. Donc, à ce stade-ci, Jésus est rendu très populaire. People pay attention to what he has to say. Et on porte attention à ce que Jésus avait à dire à ce moment-là. Because he's doing supernatural things. Parce qu'il fait des, il y a des choses surnaturelles qui arrivent autour de lui. Signs. Ah, des signes. Things that normal people don't do. Ah, des choses que la majorité du monde normal ne peut pas faire. On ne faisait pas. He was resurrecting the dead. Il levait les morts. Giving sight to the blind. Il guérissait les aveugles. So he was doing all sorts of things that were impossible. Il faisait toutes sortes de choses qui étaient impossibles. So, and that caught the attention of people. Et ça l'a attiré l'attention du monde. And now he's doing this prayer. And notice how the prayer is done. Et voici ce qu'il prie. Now, first, he addresses God as the Father. Premièrement, il s'approche à Dieu comme l'appelant son Père. Now, what is the Father? Mais qu'est-ce qu'un Père? It's the origin of life. Donc, l'origine de la vie. Ladies, before you carry your babies. Donc, mesdames, avant de porter un enfant. The Father is carrying the baby. Le Père porte l'enfant. Okay? Est-ce qu'on comprend? So I'm not going to talk about sexuality, but you know that before you get pregnant, parce que je veux pas parler de sexualité, mais avant de tomber enceinte,
The father carries the baby. Donc l'homme porte l'enfant. So I used to tell that to my wife. Et je disais ça avant when she had, you know, that avant qu'elle ait sa belly. And I will tell her, before you carry the baby, I carry it first. C'est moi qui porte. Just kidding. But the origin of life, mais l'origine de la vie, is now pictured as the father. Maintenant, on parle ici du père. So the concept of God as father, maintenant on a le concept de Dieu le père, was brought by Jesus. A été apporté par Jésus. Before Jesus, avant Jésus, there's not this concept. On n'avait pas ce concept. Okay? So he's addressing what the origin of life. Donc maintenant il s'adresse à l'origine de la vie. And he's talking loud so people will listen. Donc il parle fort pour que tout le monde puisse entendre. So he's addressing God as his own origin. Donc il s'adresse à Dieu comme celui qui l'a engendré, l'origine. Now, when we become Christians, maintenant quand nous devenons chrétiens, we are adopted into a new family. Nous sommes adoptés dans une nouvelle famille. And we need to accept in our spirit. Et nous devons accepter dans notre esprit. God as Father. Dieu comme père. Now, not as our physical father. Pas comme notre père physique. But it's our deep origin. Mais nos origines les plus profondes. Because our physical father will die. Parce que notre père physique lui va mourir. But God our Father will never die. Mais Dieu notre père ne mourra jamais. So he is eternal. Lui, il est éternel. Okay. Okay. Bear with me. Donc suivez-moi. Now, second, he said, "My hour has come." Et deuxièmement, il dit, mon heure est arrivée. What was he talking about? He was saying, "I'm about to die." Il disait, je suis sur le point de mourir. Okay. I don't know if you ever been there that you think you're about to die. Je sais pas si vous avez déjà passé par ce stade de la vie où croyez mourir. Now, it's the point when you think if your life has value. C'est au point dans ce moment-là où vous commencez à vous questionner est-ce que ma vie a une valeur. And maybe the value of your life to others is nothing. Et peut-être la valeur de votre vie aux autres, ça ne vaut rien. But people like to think about it. Mais le monde y pense. Even people that do bad stuff. Même ceux qui font de mauvaises choses. You know, this shooting that happened in this school, you know, across the border. Cette tuerie qui est arrivée de l'autre côté de nos frontières. That kid that went and shot, you know, all those kids in that school. Donc ce jeune homme qui a tué tous les élèves de l'école primaire. And all of these, you know, serial killers. Et tous ces assassins en série. They want to give a meaning to their lives. Ils veulent donner un genre de sens à leur vie. They're confused. Ils sont confondus. But they want to be famous by doing something. Ils veulent devenir populaires en faisant quelque chose. Because they think, my life worth nothing. Parce qu'ils se disent, ma vie, elle vaut rien. I'm a nobody. Je ne suis personne. So I'm going to kill myself. Donc je vais me tuer. But I'm going to leave this world, with a bang, like fireworks. Mais je veux quitter ce monde provoquant des étincelles comme un feu d'artifice. And this is why you have a lot of people now. I mean, more and more you're going to have people like this. Et c'est pour ça que vous voyez plusieurs mondes comme ça dans notre société. Et je crois qu'on va en voir de plus en plus. And I was watching the debates about this. Et je voyais les débats sur ce thème. And you know, it's not that I'm in favor that everybody has a gun. Moi, je suis pas en faveur que tout le monde porte des armes. But they were interviewing the you know, one of the guys of the Rifle Association in the States. Mais ils étaient en train de faire une entrevue de dirigeant de l'association it was a very aggressive interview. Donc c'est une entrevue très agressive. You know, on CNN, it was very, you know, they were very aggressive towards him. C'est à CNN, c'était très agressif. But he said something. Mais il a dit quelque chose. He said the problem is not the guns. Le problème n'est pas le fusil. The problem is the fear of God. Et le problème, il dit, c'est notre crainte de Dieu. Because this generation has no fear of God. Parce que cette génération n'a aucune crainte de Dieu. You'll see more and more of these things. C'est à cause qu'on n'a pas de crainte de Dieu qu'on va voir de plus en plus de ces actes de violence. I'm not saying I agree with him. Mais je ne peux pas dire que je suis totalement d'accord avec lui. And I'm not saying it's the fear of God. Et je ne dis pas non plus que c'est seulement le manque de crainte en Dieu. But the problem, it's a problem of purpose. Mais le problème est un problème de sens. Because when you have people that have no meaning, parce que quand on a quelqu'un qui n'a aucun sens de la vie, their lives have no meaning, leur vie ne vaut rien. They will get lost. Ils vont se perdre. Now Jesus is saying his hour has come. Et Jésus disait l'heure est arrivée. So he knows he's about to die. Il sait qu'il est sur le point de mourir. And the third thing, finally, la troisième chose, he said he gave the definition of eternal life. Il donne la définition de vie éternelle.
And so this is why he came. Et voici pourquoi il est venu. And he said an eternal life. Il parle de if I can go back. He said, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Et il a dit ceci, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. So, do you think life eternal is important? Vous croyez que la vie éternelle est importante? It has to do with our beliefs as Christians. Ça doit avoir avec nos valeurs fondamentales comme chrétiens. So, what is eternal life? Qu'est-ce que la vie éternelle? It's like this. Pastor Luis preaches. Pastor Luis prêche. I lift up my hand. Il lève sa main. I do a prayer that I repeat after he repeats. Donc il fait une prière qu'il répète. And then I start going to a church. Et je commence à visiter une église. And I'm being indoctrinated. Je suis endoctriné. And I know a lot about the Bible. Et je sais beaucoup à propos de la Bible. And now I think I'm above everybody else. Et maintenant je me crois que je suis au-dessus de tout. That's not life eternal. Ça c'est pas la vie éternelle. That's Christianity today. Ça c'est christianisme aujourd'hui. And it stinks. Et ça pue. It's horrible. C'est horrible. Because what Jesus Christ said. Parce que ce que Jésus a dit. Life eternal. La vie éternelle. It's to know the Father. Et de connaître le Père. And to know Jesus, which is the one He has sent. Et c'est de connaître Jésus, celui qui l'a envoyé. To let us know this message. Afin de nous faire connaître ce message. So life eternal has to do with knowing Jesus. Donc la vie éternelle consiste à connaître Jésus. Now in his time, people came to him. Donc dans son temps, le monde venait vers lui. And on John 5, he told these people that were seeking, you know, spiritual things. Et dans Jean 5, on parle de ces choses que des éléments qu'on cherchait. See, we can divide the crowd that Jesus ministered in two different. Groups. Et on pouvait diviser la foule qui suivait Jésus en deux groupes. The sinners, les pécheurs, they loved Jesus. Ils aimaient Jésus. He'd drink with them. Il buvait avec eux. He partied with them. Il allait à leur fête. He was in their parties. He was, you know, having life with them. Il vivait avec eux. And then the religious people. Et on avait les religieux. And the religious people wanted to kill him. Et les religieux voulaient le tuer. Find fault. Trouver des erreurs. And he's talking now to the religious people. Et il se dirige maintenant aux religieux. And he says, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life." Et il dit, vous étudiez avec soin les écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. So he's thinking, you know, you're studying the Bible because you think, you know, the key is here. Donc vous étudiez la Bible parce que vous croyez que la clé s'y trouve dedans. And then he said, "And it is they that bear witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life." Et il dit ceci, ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Okay, so how can we get real life? Donc comment obtenir la vraie vie? It's not the Bible. C'est pas la Bible. The Bible doesn't give you eternal life. La Bible ne vous donne pas la vie éternelle. It's not a church. C'est pas l'église. It's not a religion. C'est pas une religion. Now, you need to be introduced to Jesus. Vous devez être introduit à Jésus. And this is a very vague concept. Et c'est un concept très vague. It's very vague. C'est très vague. Because how can I know Jesus if he died? Comment est-ce que je peux connaître Jésus s'il est mort? How can I know Jesus if he's not here? Comment connaître Jésus s'il n'est pas ici? Then you have the church here. Donc maintenant vous avez l'église. And you have the word. Et vous avez la parole. To point the way to Jesus. Qui vous pointe vers Jésus. And you have people like me, like Louis, people that are ministers. Donc vous avez des personnes comme Tony et moi. And we have others here. Et d'autres qui s'y trouvent ici avec nous. And in fact all of us. Et à vrai dire tous ici présents. And our role is to introduce people. Et notre rôle à tous ici c'est d'introduire le monde. To Jesus. À Jésus. And what does this mean to introduce people to Jesus? Et qu'est-ce que ça veut dire d'introduire Jésus au monde? Of course, we need the Bible. Bien sûr, nous avons besoin de la parole. Because Scripture points to Jesus. Parce que les Écritures, ça nous dit qu'il pointe vers Jésus. But the goal of all things. Mais l'objectif de toute chose. And this is my last point. Et c'est mon dernier point. Is to prepare people for afterlife. Et c'est de nous préparer pour la vie après la mort. Okay. Because our life here will come to an end. Parce que notre vie ici un jour, elle va finir. One day you will say the same thing. My hour has come. Un jour vous allez dire, mon heure est arrivée.
or you will not have time to think about it. Ou peut-être on n'aura pas le temps d'y penser. You know, sometimes it's better. You know, it's bang, it's over. Je pense que des fois c'est mieux. Instantanément on disparaît. You know, it's like when you have a dream that you're running away from someone. C'est comme dans le sereine qu'on a, qu'on est en train de s'enfuir de quelqu'un ou de quelque chose. Have you ever had that dream and then, vous avez and déjà then, eu le sereine et vous tombez. Vous avez l'impression de tomber dans un trou vide. And then you wake up. Et là, vous vous réveillez. So, your death is going to be like this. Votre mort sera ainsi. You're going to feel like you're being sucked into something. Vous allez sentir comme quoi vous allez être aspiré dans quelque chose. And you're afraid. Et on a peur. And then suddenly, là, tout d'un coup. But you're not in the same place. Mais vous êtes pas au même endroit. Now you're in another place. Maintenant vous êtes dans un nouvel endroit. Now the idea of afterlife. Donc le concept de la vie après la mort. Has been in mankind for many years. Donc il s'y trouve dans l'histoire de l'humanité. Some people talk about reincarnation. Certaines parlent de réincarnation. You know that you have different opportunities. Que vous avez plusieurs opportunités. And what does reincarnation say? Mais qu'est-ce que la réincarnation dit? That you have opportunities to find a purpose. Que vous avez l'opportunité de trouver un sens, un objectif. So some think that a cow has a good purpose. Donc certains croient qu'une vache a un bon objectif sens. So they think they can reincarnate in a holy cow. Donc ils peuvent se réincarner dans une vache sacrée. Or they say, oh, in my other life I was a woman, that's why I'm like this, you know. Et d'autres vont dire, dans mon vie antérieure j'étais une femme, c'est pour ça qu'en même temps je suis un peu féminin. And people have all sorts of ideas. Et le monde a toutes sortes de concepts. And I'm not arguing about this. Je veux pas débattre ici. But let me tell you, they have this idea because of an idea of perfection. Non, ils ont cette idée parce qu'ils ont une idée de perfectionnement. And they think, well, we can live over and over until we achieve certain degree of perfection. Donc je peux revivre certains cycles de vie afin d'ultimement atteindre une perfection. Well, that's an idea. C'est une idée. But that's why the Father, the origin of life, c'est pour ça que le Père, hein, l'origine de la vie, sent Jesus Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. And Jesus told him. Et Jésus a dit. You have one shot. Tu as une seule chance. There's one opportunity. Une seule opportunité. You know, after this life, après cette vie, you know, you're going to be judged. Tu vas être jugé. And that's not a good thing to be judged. Mais c'est pas tout à fait une bonne chose d'être jugé. But that's going to happen. Mais ça va arriver. But look at what Jesus said. Voici ce que Jésus a dit. He said, "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise him up on the last day." Voici ce que Jean 6:40 nous dit. Ça nous dit. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Everyone who? Qui? Everyone who? Tous ceux qui croient. Looks. Tous ceux qui cherchent. On the Son. Qui regardent le Fils. Now, who are these? C'est qui ce monde-là? Is it just the Christian? C'est seulement les chrétiens? He says everyone. Ça dit tout le monde, tous ceux who looks on Jesus, qui voit le Fils. So there's a lot of people. Donc il y a plusieurs personnes that don't go to church. Ils vont pas à l'église. But they looked on Jesus. Mais ils ont vu Jésus. Wow. Now some of you are getting upset with me. Là maintenant il y en a d'autres qui commencent à être mal à l'aise avec moi. He's the way, the truth, and the life. C'est lui la vérité, le chemin et la vie. He is the way, the truth, and the life. C'est lui la vie, le chemin et la vie. Now I've looked into Jesus. Donc j'ai vu Jésus. And I couldn't find him. Et j'ai pas pu le trouver. When I was a young kid, and I went from church to church trying to find Jesus. Et ça c'est quand j'étais très jeune, j'allais d'église en église, essayer de trouver Jésus. And I found hypocrisy. J'ai trouvé l'hypocrisie. I found a lot of religious people. J'ai trouvé beaucoup de monde religieux. I found something that I didn't like. J'ai trouvé quelque chose que j'ai pas aimé. But eventually, one day, mais éventuellement un jour, it clicked. Ça a cliqué. And I realized, now I found Jesus. Et j'ai réalisé maintenant, j'ai trouvé. And then I did my choices of life. Et j'ai fait à ce moment-là mes choix de vie. And by the mercy of God, I'm still here. Et par la miséricorde de Dieu, je suis encore ici. Because I believe if I didn't have
made the right choice. Parce que je crois que si je n'avais pas fait les bons choix, now I'll be already in heaven. Peut-être je serais déjà au ciel. And I would have lost the opportunity of having my purpose defined here. Et j'aurais perdu l'opportunité d'accomplir mon sens de la vie ici. But look at the power of Jesus. He says, I will raise him up on the last day. Mais voici la puissance de Jésus. Regardez ce que ça dit. Je vais les lever le dernier jour. What's the last day? Mais c'est quoi ce dernier jour? Remember, we're talking about life. Mais oubliez pas, on parle de la vie. Here on earth, ici sur la terre, you are born as a baby. Vous êtes né comme un bébé. You live. Vous vivez. And you have the opportunity to look into Jesus. Et vous avez l'opportunité de voir Jésus. All of you here. Et tous ici. All that are watching on YouTube. Ceux qui nous regardent par YouTube. You have an opportunity to find Jesus. Vous avez l'opportunité de trouver Jésus. Grab it. Saisissez-la. And now here's the promise. Mais voici la promesse. When the hour comes for you, mais quand l'heure va arriver pour vous, Jesus is there to lift you up. Jésus est là pour vous lever. So in other words, en d'autres mots, you will arrive to another life after this one, is the afterlife. Tu vas arriver à une autre vie après celle-ci, donc la vie après la mort. And it's still not yet revealed to us what's going to happen there. Et c'est pas encore révélé qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. But one thing I know, I want it. Mais il y a une chose que si je sais, c'est que je veux y être. I really want it. Je veux vraiment y être. Because now I've learned to walk with Jesus. Maintenant j'ai appris à marcher avec Jésus. And this is something that church cannot tell you. Et ça c'est quelque chose que l'Église ne peut vous dire. This is your personal quest. C'est votre quête personnelle. All right. And we're not going to continue because we're going to finish. But let me mention a few things. On va bientôt finir, mais je voudrais mentionner quelques éléments. Now in John chapter 1, it says that in the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. Dans Jean chapitre 1, nous lisons ici concernant l'origine, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui était, la parole était avec Dieu. Il était Dieu. And then it says all things were made through him. Il dit, il était donc avec Dieu et au commencement Dieu a fait toutes choses par lui. So this Jesus that we know that was born 2000 years ago. Donc ce Jésus que nous connaissons qui est né environ 2000 ans avant. It was millions of years before in the creation of the universe. Il était des millions d'années déjà avant présent au moment de la création. He's the same Jesus. Donc c'est le même Jésus. And he created life. Il a créé la vie. Notice it says in him was life. And the life was the light of man. Et on peut voir aussi que la vie s'y trouvait en lui. So life is in him. Donc la vie est en lui. Because he is the origin of life. Car il est l'originaire de la vie. Okay. So when I look into Jesus, donc quand je vois à Jésus, I see the human nature of God. Je vois la nature humaine de Dieu. That's what I see. C'est ce que je vois. I don't care much about the historical Jesus. Je veux pas que ça m'intéresse pas tout à fait le Jésus historique. I mean, I like to study the historical Jesus. Moi, j'aime bien étudier le Jésus historique. But he's a lot more than just a philosopher. Mais il était beaucoup plus qu'un philosophe. You see, Muslims, they have Jesus in their religion. Parce que vous savez que les musulmans ont Jésus dans leur religion. And they say he was a prophet. Ils disent que c'est un prophète. But they say their prophet is above Jesus. Mais ils disent que leur prophète est au-dessus de Jésus. And that is something I cannot accept. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Because this is to say that there's a man with a revelation. Parce que ça, c'est voulant dire qu'il y a un homme avec une révélation. Which is higher than the revelation of God. Qui est au-delà de la révélation de Dieu. So that's why then it leads to a weird form of religion. Donc c'est pour ça que ça a originé une forme bizarre de religion. No, I'm not talking about religion and we're about to finish. Et je veux pas parler de religion, mais on va terminer sur le début. Notice that this has to do with light. It says that the light shines in darkness and darkness has not overcome it. Et ici on parle de la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière. You know, darkness will never overcome light. Never. Vous savez que les ténèbres ne vont jamais vaincre la lumière. Unless it extinguishes the light. À moins qu'on étouffe la lumière. It doesn't matter how small a light is, it will always break through it in darkness. Peu importe la petite source de lumière, elle va toujours briller dans les ténèbres. So now the question is. Maintenant la question est. In order to receive life, afin de recevoir la vie, you need to see the light of Jesus. Tu dois voir la lumière de Jésus. Church's help.
l'église aide. Messages like this can help. Les messages comme celui-ci peuvent aider. But eventually your life will get to a turning point. Mais éventuellement ta vie va arriver à un point tournant. And maybe you're in a point in which you think I'm lost. Et tu arrives à un point où tu dis ben je suis perdu. Because I'm not able to attain my goals. Parce que je suis pas capable d'atteindre mes objectifs. And you think, well, now I'm 40 years old. Ah, maintenant tu dis j'ai 40 ans. Or I'm 50 years old. Ou j'ai 50 ans. And I cannot do the same things like if I was 18 years old. Et je peux pas faire les mêmes choses que je faisais quand j'avais 18 ans. But you can do other stuff. Mais tu peux faire d'autres choses. Right? Pas vrai? You need to find a purpose. Vous devez trouver un sens. You see, as life goes on, au fur et à mesure que la vie avance, there's different purposes. Il y a différents objectifs, buts. You know, I know there's people that get to 80 years old and they still want to have a girlfriend and get married. Hey, je connais du monde qui a atteint l'âge de 80 ans et ils veulent se trouver une blonde et se marier. I have one like that in my family. J'en ai un comme ça dans ma famille. And then we try to tell them, listen, think about other stuff, you know. Essaye de trouver quelque chose d'autre. No, enjoy your grandchildren. Pourquoi profiter avec tes petits-enfants? And sometimes people are lost. Et le monde se trouve des fois perdu. Because they cannot find purpose. Parce qu'ils peuvent pas trouver un sens à leur vie. There's no meaning in life. Il y a pas de sens à leur vie. And when there's no meaning in life, you're about to die. My last comment. Et quand il y a pas de sens à la vie, ben ça veut dire que tu es au point de mourir. Now look into what Jesus said. Mais maintenant qu'il y a ce que Jésus va dire. Because if it says if you look into Jesus, parce que si vous regardez à Jésus, in the last day he will raise you. Dans les derniers jours, il va vous lever. We better look into what he has to say. Il faut voir ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il a nous dire? And he was talking about darkness now. Il parle à ce stade-ci de ténèbres. And he's talking about the king of darkness. Et il parle du roi des ténèbres. And he calls him the thief. Et il l'appelle le voleur. And he says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Et voici ce que Jésus dit, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. So that's my last verse. Et voilà mon dernier verset. So, we want life in abundance. On veut la vie abondante. What's life in abundance? Mais quelle est la vie abondante? Abundance of health. Hein, l'abondance de santé. That's a great thing. Une bonne chose. Abundance of friends. Abondance d'ennemis. Abundance of blessing. Abondance de bénédiction. Abundance of money. Abondance d'argent. Abundance of everything. Abondance de toutes sortes de choses. I like when I open my fridge and there's no place to put stuff. Moi j'aime quand j'ouvre le réfrigérateur, j'ai pas d'endroit où mettre plus. Pretty much it's on Christmas time. Et c'est pas mal durant la saison de Noël. Because I have a big fridge. Parce que j'ai un grand réfrigérateur. But when I open it, it's pretty empty. Mais quand je l'ouvre, je trouve que c'est un peu vide. You know, I just stare at it. Je regarde. And it's 10 p.m. Et il est 10 heures du soir. And I go to the kitchen. Et j'arrive à la cuisine. And I open the door of the fridge. I don't know what I want. Et j'arrive, j'ouvre la porte du réfrigérateur. Je sais pas qu'est-ce que je veux. I know it's not just me. Je sais que c'est pas juste moi. And I look. Et je regarde. And I look. Et je regarde. And then I'm so frustrated. Et je suis si frustré. Because I don't want anything. Parce que je veux rien. What am I going to get? Qu'est-ce que je mange? And then sometimes I eat stuff and I shouldn't be eating at that time of the day. Et après, je commence à manger des choses que je devrais pas manger à cette heure de la soirée. Oh, the bananas are green. Les bananes sont vertes. No more yogurt. Il y a plus de yogourt. I cannot eat chocolate. Je peux pas manger du chocolat. What am I going to eat? Qu'est-ce que je vais manger? This is just a simple thing of life that we all go through. Ah, c'est des choses simples de la vie que l'on vit. This has no impact in your life. Ça n'a aucun impact direct sur votre vie. Let me tell you something that has a deep impact in your life. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a un impact profond dans votre vie. Are you looking into Jesus? Est-ce que vous regardez dans Jésus? Because if your life doesn't have abundance now, parce que si votre vie n'a pas d'abondance maintenant, there's a symptom that you didn't look into Jesus. C'est un symptôme que tu n'as pas regardé à Jésus. You're exposed to the thief. Tu es exposé au voleur. So you need to find your purpose. Donc tu dois trouver le sens. And you need to walk towards your purpose. Et marcher.